du soleil. C'est circonstant, ça. Questo fiore del partigiano s'approche sans le convenant. Et les voilà qui le voient en train de s'arrêter pour une nouvelle danse. C'est un monde invernable. Qu'est-ce qu'il y a tout pour notre dame et rien pour les misérables? Ce n'est pas moi, le désordre et la force du peuple. L'être contre la voix, les premiers casseurs sont les briseurs d'espoir. Quand la justice devient loi, la résistance est un devoir. On veut des super maraîchers, pas des supermarchés, monsieur le président. Et le facteur est important parce qu'en fin de compte, on vit ce désastre de pandémie depuis presque 29 mois. Parce que je ne sais pas si vous vous rappeliez, en septembre-octobre 2019, il y avait des athlètes qui étaient partis en Chine et qui sont rentrés malades et on ne savait pas encore que c'était le Covid qui arrivait en France. Donc ça fait presque 29 mois qu'on vit le désastre à cause de cette pandémie qui aurait pu être évitée si les gouvernements avaient fait le nécessaire. Donc on se retrouve donc pour la 29e fois. Donc comme vous le disiez Josette, pour cette manif, on a décidé de faire des trucs un peu différents et un petit peu rigolos. L'idée c'était de se dire que vu qu'on est le 29 janvier, la 29e marche, on voulait vous faire faire 29 arrêts. Bon, et puis finalement, honnêtement, on s'est rendu compte que c'était très compliqué sur nos trajets à Auxerre de trouver 29 arrêts. Donc finalement, on va en faire que 15. Ce sera des mini-arrêts. Et à chaque arrêt, on va se remémorer un petit peu l'histoire des 29 mois qui viennent de passer pour arriver jusqu'ici. Du coup, c'était un peu l'idée qu'on se donnait comme fil conducteur pour cette manif. Donc on va régulièrement s'arrêter devant les numéros 29 des rues où on va passer, mais pas que, vous n'éteignez pas. Et quand il y a un petit arrêt de ralentissement, si vous avez envie de suivre ce qui se passe, ben je vous invite à vous rapprocher, parce qu'on fera des mini prises de parole pour expliquer à quel moment de la pandémie on en est. Néanmoins, avant le départ, histoire de vous occuper et de vous mettre bien dans l'esprit, je vous demande de prendre 5 minutes pour réfléchir, comme vous disait Josette. On compte 29 mois de pandémie puisque ça a démarré en septembre 2019. Donc fermez les yeux 5 minutes, réfléchissez. Qu'est-ce que vous faisiez en septembre 2019? Rappelez-vous de votre vie à ce moment-là quand vous n'aviez jamais entendu parler de Covid. Ouais, voilà, ouais, je vous vois tous secouer la tête. Voilà, je vous invite à faire remonter un petit souvenir de septembre 2019. L'été avait été caniculaire, souvenez-vous, on avait tous crevé de chaud, les jardins étaient secs, c'était le mois de septembre, on était contents parce qu'enfin la chaleur commençait à baisser et qu'il faisait encore beau et qu'on pouvait en profiter. Rappelez-vous de ce moment-là et gardez-le avec vous pendant toute la manifestation parce que la suite, elle sera moins agréable. C'est quelqu'un de ma famille qui a fait la troisième dose. 6 heures après, maux de tête la nuit qui a suivi, elle a eu froid, un coup chaud. Couverture toujours mal de la tête et le lendemain, grosse fatigue et des douleurs dans les doigts, nausées et migraines. Les jours suivants ont été mieux, donc la 4e dose, ce sera non. Juste pour rebondir sur ce que vient de nous dire Yannick, je pense que vous avez conscience qu'il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux par rapport à ces histoires de doses de plus en plus rapprochées où bientôt il faudra avoir fait la dose la veille pour avoir le droit à un pass vaccinal de 2 heures. Et c'est important d'accueillir les nouvelles têtes que vous pouvez voir autour de nous qui sont certainement des personnes
qui ont décidé d'arrêter en route ces histoires de vaccination parce que une fois ça va, deux fois ça va, et après on commence vraiment à avoir la sensation qu'on se fout de notre gueule, quoi. Et puis ben on va avancer doucement. Si on a des volontaires pour prendre la banderole, ce serait sympathique. Donc n'hésitez pas à vous avancer et à prendre la banderole. Là, on va avancer doucement vers la bibliothèque. On referait un de nos anciens trajets parce qu'au bout de 29 manifestations, on a un petit peu arpenté au cerf dans tous les sens. On va aller à la bibliothèque, au théâtre et à la préfecture. Donc on va beaucoup s'intéresser aux lieux de culture. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas aux soignants, mais c'est ce qu'on a de plus proche à portée de main en ville, dans Auxerre, c'est des lieux de culture. Donc on va beaucoup s'occuper de la culture, qui est effectivement un emblème de ce qui se passe au niveau du pass vaccinal. Le 6 octobre 2019, alors qu'on n'en a même pas encore entendu parler, c'est la date officielle des chercheurs concernant le début de la pandémie par rapport à des recherches qu'ils ont faites dans les génomes et dans les selles, comme ils font pour prédire l'épidémie. Et le prochain arrêt maintenant, ce sera au niveau de Volabelle. On sera en novembre et décembre 2019. Décembre 2019, le premier cas médiatisé dit officiel en Chine, et pour nous tous, le dernier Noël. Vous vous souvenez ? Le 2, le 3ème 2, le 4, le 5, c'est la 3ème 2. Donc là maintenant nous sommes en janvier et février 2020. Le 24 janvier 2020, c'est les trois premiers cas officiels médiatisés en France. Je vous rappelle que c'était des touristes étrangers qui rentraient d'Asie. Et qu'en janvier 2020, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, nous explique que tout va bien et que le risque est vraiment très faible. Plus tard, elle démentira ses propos. Et à l'époque, je pense qu'on est nombreux à en rigoler en comparant ça avec le nuage de Tchernobyl qui devait s'arrêter à la frontière. On continue en février 2020. C'est des noms que j'avais envie de vous redire parce que depuis le temps, je pense qu'on les a oubliés. Mais à l'époque, on nous serinait la tête avec. Donc j'avais envie de vous remettre en mémoire le nom du Diamond Princess, ce navire de croisière qui avait été mis en quarantaine au Japon en janvier 2020. Moi, ça m'avait fait beaucoup marrer comme nom à l'époque. Je voulais aussi vous rappeler le nom du bien nommé Contamine Montjoie. Un des premiers clusters, cluster, c'était un mot nouveau du Covid, c'est un mot qu'on a tous appris récemment. Donc Contamine Montjoie, un des premiers clusters qui était dans les Alpes en Haute-Savoie. Le 11 février 2020, l'OMS donne un nom à la maladie et l'appelle Covid-19. Bon, il faudra attendre le mois de mai pour avoir l'avis de l'Académie française pour connaître le genre. Le 15 février, c'est le premier décès hors d'Asie, c'est le premier décès d'Europe et c'est surtout le premier décès en France, cocorico. Du coup, ça anticipait bien comment on allait gérer la pandémie par chez nous. Ah ben, on a bientôt fini. Et puis surtout, février 2020, souvenez-vous, parce que moi perso, avant de faire ces recherches, j'avais carrément oublié, à ce moment-là, les soignants, quand ils étaient contaminés, on les confinait.
En février 2020, il y a 200 personnels confisés dans l'Oise, qui est un des plus gros clusters en France. Je vous rappelle que maintenant, les soignants, s'ils sont asymptomatiques, on leur demande d'aller travailler. Vous voyez un peu le grand écart sanitaire qu'on a pu faire. Et puis évidemment, si on s'arrête devant la bibliothèque, c'est pas pour rien. C'est parce que ça fait partie de ces lieux culturels d'échange et de partage, parce que la culture, c'est avant tout l'échange et le partage qui sont condamnés avec le pass vaccinal. Même si à Auxerre, ça n'a pas fait beaucoup de vagues, il y a eu un mouvement bibliothécaire pour s'indigner contre cet état de fait qui les fait travailler dans des conditions indignes. Et même s'ils acceptent, c'est bien de passer faire un petit soutien pour leur montrer qu'on n'oublie pas la culture dans cette lutte. Et normalement, il y a Olivier qui doit aussi venir prendre la parole ici. Voilà. Et on a oublié d'en parler au début parce que c'est un peu confus, mais Olivier a mis en place une boîte à idées qu'il avait installée au début de la manif et qu'il réinstallera à la fin de la manif, mais il sera mieux placé pour vous en parler. Merci, Vincent. Bonjour à tous. Bonjour à tous. La crise sanitaire depuis 2019 n'a pas apporté que des choses négatives. Je vais vous décrire en quelques mots celles positives que j'ai vécues personnellement jusqu'à aujourd'hui. Pendant le premier confinement, la prise de conscience dans tout l'Auxerrois d'un silence total que je n'ai jamais connu auparavant. Plus de bruit d'urbanisation, plus de circulation, une ville déserte à se croire sur une autre planète. La prise de conscience de la nature qui reprenait ses droits et nous donnait le temps de l'observer à loisir. Des parcs et arboretums au printemps qui se fleurissent de nouvelles fleurs puisque les pelouses n'étaient plus entretenues, les bancs publics devenaient à eux seuls des décorations végétales, le retour des chants des oiseaux dans la ville. J'ai fait pendant ce long temps d'arrêt la connaissance de personnes âgées, seules, qui n'osaient plus sortir de chez elles. Parce que le gouvernement leur a fait peur. Ce sont leurs propres mots. Je prenais le temps de discuter avec elles pendant la promenade avec mon chien d'un kilomètre qui nous était autorisé de faire. Cela m'a permis d'agrandir mon réseau social auxerrois et qui perdure actuellement aussi. Prise de conscience que cette période a été et toujours une période de créativité sous toutes ses formes. Des personnes se sont mises à écrire des textes, des chansons, des livres, à dessiner, à peindre, à créer des objets d'art. Je rêve d'organiser une exposition à Auxerre qui regrouperait tous ces talents, toutes ces œuvres. L'idée est lancée. Ne vous enfermez pas sur vous-même, bien au contraire, ouvrez-vous aux autres, à la vie, multipliez vos réseaux, vos contacts. C'est la meilleure façon d'éviter la solitude, de garder un bon mental et une bonne santé. Promenez-vous, déplacez-vous, faites du sport, multipliez vos activités. Voilà. Prenez soin de vous tous et des autres. Merci de votre attention. Et ben on repart tranquillement en avançant vers le théâtre. Maintenant, nous sommes en mars 2020. Le 7 mars, à Paris, Emmanuel Macron déclare qu'il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos attitudes de sortie. Le 9 mars, L'Italie confine
en ouvrant la marche, puisque c'est la première fois dans l'histoire qu'un pays décide de paralyser son économie face à une épidémie. Le 11 mars, c'est l'alerte pandémie de l'OMS. Le 11 mars, toujours en France, le ministre de la Santé annonce que dorénavant, les visites sont interdites dans les EHPAD. Une date dont il faut se souvenir parce que nos anciens, ils ont vraiment souffert pendant ces périodes-là. Le 12 mars, c'est les écoles qu'on ferme. Et finalement, le 17 mars, c'est pas la Saint-Patrick, c'est le premier confinement. Je pense que comme le World Trade Center, on a tous quelque chose qui marque nos imaginaires collectifs. On a tous une petite histoire du confinement 1 quand on a compris ce qui se passait. Et puis pour s'en rappeler, parce que c'est quand même à cause de ça qu'on en est là, l'état d'urgence sanitaire qui est déclaré le 18 mars. Et sans cet état d'urgence sanitaire, on n'en serait pas au pass sanitaire, ni au pass vaccinal, ni à toutes les privations qu'on a pu connaître. Ensuite, tout ce qui est la fin du mois de mars et du mois d'avril 2020, je vous le remets en mémoire, mais je pense qu'on s'en souvient tous. C'est la polémique sur les masques. On nous explique que ce n'est pas la peine d'en mettre. Et puis finalement, après, on finira par nous obliger à les mettre. C'est aussi les soignants qu'on envoie au front avec des sacs poubelles pour se protéger. C'est les Américains qui nous volent des masques le 1er avril sur les tarmacs des aéroports. Et puis finalement, le 6 avril, c'est le gouvernement qui encourage des millions de petites mains à fabriquer des masques en tissu. Et vous savez qu'après, toutes ces personnes-là qui auront été les premières aides de nos soignants sont des personnes qui auront été après lourdement réprimées parce qu'elles ne subissaient pas toutes les normes nécessaires pour leur masque. Premier confinement. Souvenez-vous, on pourrait tous passer des concours tellement on a des beaux jardins, on n'a jamais passé autant de temps dans nos jardins. On a passé ce premier confinement à applaudir des soignants envoyés au front sans matériel, sous-payés, surexploités. On a applaudi les soignants envoyés au front, même contaminés. On a découvert que notre système de santé n'est plus ce qu'il fut. L'été qui passe est presque normal, malgré la première promotion de bac Covid sacrifiée sur l'autel de la simple continuité pédagogique. Souvenez-vous de tous les gamins qui ont eu leur bac en 2020, dans des conditions qui font qu'on s'est longtemps demandé s'ils l'auraient leur bac d'ailleurs, et qui sont acharnés dans des cours virtuels avec des outils inadaptés ou simplement pas en place. Mais il fallait sauver la simple consommation. L'été 2020, c'est aussi les premiers mouvements de protestation citoyenne contre la gestion de la crise sanitaire. Il s'appelle non à la réintoxication du monde, on n'oubliera pas, non au retour à la normale ou encore bas les masques. Prochain arrêt, on se parlera de septembre et octobre 2020. Merci. Macron, en face, 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 en face
septembre 2020, après la consommation, c'est la rentrée qu'il faut sauver au nom de la continuité pédagogique et surtout salariale des parents. L'illusion ne durera pas puisque dès le 14 octobre, on a un couvre-feu et dès le 30 octobre, on passe au format 2 du confinement. Alors, on a tous adoré le format 2 du confinement parce que là, on découvre vraiment le travail, consomme et ferme ta gueule. Et pour tous ceux qui n'étaient pas des travailleurs essentiels, c'est la joie et le bonheur d'aller travailler et de seulement rentrer chez eux le soir sans aucun loisir. Le 21 novembre 2020, c'est les premières marches de liberté. En tout cas, à Auxerre, c'est la première marche des libertés pendant le confinement 2, justement. Et puis, on entame décembre 2020. Et alors là, c'est la valse des vaccins. Tous les pays trouvent le leur, sauf la France. Tout le monde autorise le sien d'abord. Et puis, comme on a eu le miracle des vaccins, dès le 15 décembre, c'est la fin du confinement, mais c'est le couvre-feu. On passe un Noël très particulier, sous régime dérogatoire, et on a le droit à un nouvel an sous couvre-feu. Et puis, on se souvient que le 27 décembre, c'était le premier vaccin fait en France. Je pense qu'on se rappelle tous de cette pauvre dame qui avait été exhibée pour faire la promotion de cet acte médical. Arrivé en janvier 2021, en plus des chiffres de contamination, maintenant on nous assomme avec les chiffres des vaccinations. L'OMS parle de plus de 2 millions de morts, mais on ne parle pas de toutes les pertes de chance, de tous les dommages psy et de tous les dommages collatéraux, hein, c'est bien comme ça qu'on dit pour une guerre, qui nous touche. Donc on a beau nous annoncer 100 millions de contaminés en oubliant qu'il y a des pays qui n'ont pas les moyens de tester ou de se soigner et dont les populations sont majoritaires. Enfin, on nous abrutit de chiffres pour justifier une politique sanitaire qui n'est pas sanitaire. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût bien fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille, à se défendre hardiment. Le loup, donc, humblement l'aborde, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi. Repris le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée. Tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens, portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce là? Lui dit-il. Rien. Quoi? Rien? Peu de choses. Mais encore. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. Attaché? Dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Eh
2021, c'est troisième édition du confinement. Je ne sais pas pour vous, mais alors moi, personnellement, c'était la fête du slip. À ce moment-là, j'avais trouvé un moyen pour avoir des trucs de déplacement. Et autour de moi, tous les potes, enfin voilà, le confinement 3, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient forcément respecté. Ensuite, on arrive au 20 avril. Le 20 avril, c'est une date un petit peu particulière et qui avait sa place dans notre itinérance de la journée. Parce que c'est le moment où à Auxerre, le théâtre a été occupé. On était en plein confinement 3, la culture souffrait énormément, elle souffre toujours. Mais à ce moment-là, ils étaient complètement fermés et ils n'avaient pas beaucoup d'alternatives. Donc on a eu un mouvement d'occupation du théâtre à Auxerre, dans le cadre du mouvement national d'occupation des théâtres, pour protester contre l'abandon de la culture pendant les mesures sanitaires. Pour ceux qui se souviennent, c'est le moment où on allait se promener dans Auxerre et on dansait sur la chanson de HK, Danser encore. Il y avait eu pas mal de flash mobs à ce moment-là. On arrive au 3 mai 2021. C'est la fin du confinement 3, on repasse en couvre-feu. Le 31 mai, l'OMS commence à nous amuser en nommant les variants avec l'alphabet grec. Enfin, à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait rigoler, mais maintenant, avec Omicron, bah Macron, on rigole beaucoup. Le 20 juin, c'est la fin du couvre-feu. Et puis, on enchaîne tout de suite avec le 12 juillet, la date des annonces que vous connaissez tous. On nous parle officiellement du pass sanitaire en nous annonçant des dates de mise en place, parce qu'ils nous en avaient parlé avant, mais ils n'avaient pas donné de date. Et donc, le 17 juillet, la première manifestation spontanée à Auxerre. Le 27 juillet, le pass sanitaire obligatoire pour les activités de culture, de loisirs et de sport, et pour pouvoir rentrer dans un, pour pouvoir consulter un médecin. À Auxerre, on a eu notre pic de mobilisation les 21 et 28 août. On a été plus d'un millier de manifestants dans les rues d'Auxerre, ce qui est assez exceptionnel. Et puis, on enchaîne sur le 15 septembre avec l'obligation vaccinale des soignants. C'est le début des suspensions et de situations ubuesques, surtout dans des régions comme la nôtre, où on est dans des déserts médicaux. Et il n'est juste pas question de se passer de soignants au prétexte qu'ils n'auraient pas accepté telle ou telle vaccination s'ils respectent toutes les mesures sanitaires nécessaires en se protégeant, en faisant des tests, ce qu'ils faisaient avant. Et donc, on comprend mal pourquoi il a fallu durcir les choses. On continue tranquillement en novembre et en décembre. Il ne se passe pas grand-chose à part... Ah ben si, décembre, l'ouverture de la vaccination aux enfants. Alors évidemment, comme pour toutes les ouvertures de vaccination, d'abord pour les plus fragiles, mais l'objectif, et je pense que vous en êtes tous convaincus, quand on voit qu'ils continuent à nous assommer avec les chiffres, c'est bien de faire vacciner tout le monde. Et puis enfin, finalement, janvier 2022, le vote du pass vaccinal, alors que partout en Europe, les mesures sont en train d'être allégées, que dans certains pays, ils reconnaissent que ces mesures de pass sanitaire, vaccinal, enfin on l'appelle comme on veut, ça sert strictement à rien par rapport à la nouvelle vague d'Omicron où tout le monde l'attrape. Mais c'est pas grave, nous en France, on a un petit chef qui nous emmerde et qui a décidé qu'il fallait que tout le monde soit vacciné. Donc oui, il lâche pas l'affaire. Au mois de septembre, on a été une grosse collecte de masques usagés. Avec cette collecte de masques usagés, on avait été mettre 50 mètres de guirlandes de masques sur l'ARS pour leur souhaiter un joyeux Noël. Et même comme ça, il nous restait encore plein de masques. Alors on s'est demandé ce qu'on allait en faire. Et puis on s'est souvenu que c'était gratuit d'écrire au président en France. Donc on a décidé de lui envoyer 100 masques. Un par jour jusqu'à la fin de son mandat. Évidemment, on les a assortis de petits messages personnalisés pour nous alerter. Et donc voilà, au moins jusqu'à la fin de son mandat, il saura que des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui sont assez déterminés pour agir et lui montrer à la réponse. Tranquillement vers l'Arquebuse, où normalement la soupe nous attend puisque a priori ne sont plus malades.
Oui, t'as entendu. Ah mince, je lui ai failli le gobelet. Merci. Je t'entraîne en fait.